Moi, je dois me sacrifier. Mais ça veut rien dire à vos yeux. C'est ça? Je vous ai dit que je pensais à vous sans arrêt, c'est la vérité. Votre contribution à la rébellion est sans pareil. Devoir mentir, vivre une double vie, maintenir les apparences, c'est une pression infernale. Mais il nous faut des héros, Lonnie, et on vous a trouvé. Et vous sacrifiez quoi, vous? Le calme. La douceur, les relations humaines. Et l'amour. J'ai renoncé à l'espoir de connaître la paix de l'âme et j'ai fermé mon cœur à la lumière. Je partage mes rêves avec des fantômes. Je me réveille tous les matins pour jouer un scénario que j'ai écrit il y a 15 ans et qui n'a qu'une conclusion. Je suis maudit pour ce que j'ai choisi de faire. Ma colère, mon égo, mon incapacité à céder, mon envie de me battre. Tout cela m'a mis sur un chemin dont je ne peux m'échapper. Je rêvais d'être un sauveur, un rempart contre l'injustice, sans réfléchir aux conséquences, et quand j'ai enfin baissé les yeux, je ne reconnaissais plus le chemin que j'avais pris, alors vous me demandez ce que moi j'ai sacrifié? Je me suis condamné à utiliser les méthodes de mon ennemi. Pour le vaincre, je me prive de ma conscience pour offrir un avenir aux autres. Je me prive d'une vie aujourd'hui pour assurer les lendemains que je ne verrai jamais de mes yeux. Et mon ego, qui est à l'origine de tout ce combat, n'aura jamais ni miroir, ni foule reconnaissante, pas la moindre étincelle de gratitude. Vous me demandez ce que moi je sacrifie? Je sacrifie tout ce que j'ai.